Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour ce séminaire CGTU. Et après avoir évoqué la dernière fois les grèves des années 30 et la manière dont la CGTU les concevait et les pratiquait, nous revenons vers les approches professionnelles et corporatives avec donc. Aujourd'hui, on avait été obligé de modifier en raison du calendrier social la date de cette séance. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir René Gaudy, qui va nous parler de la CGTU dans le secteur de l'éclairage et des services publics. Alors, quelques mots, mais je pense que tout le monde connaît parmi l'auditoire René Gaudy, mais comme c'est enregistré, on va quand même le préciser. Alors, je retiendrai que le versant historien de René Gaudy, qui a plus d'une corde à son arc, il a travaillé, il travaille sur le mouvement ouvrier et plus particulièrement sur précisément les syndicalistes, les militants du secteur de l'éclairage et du gaz. Il a écrit plusieurs ouvrages. Alors, j'en cite quelques-uns. 1978, Et la lumière fut nationalisée. Le titre dit de quoi ça parle. En 1982, Les porteurs d'énergie. Alors, il y a deux tomes et il y a eu une réédition. En 2016, il revient sur la nationalisation de l'énergie avec Histoire d'un combat, 1944-1947. Et puis, on permettra à l'ancien directeur du Centre d'histoire sociale de dire aussi que René a déposé dans le fonds, dans les dépôts que nous avions à l'époque d'archives, ces archives, alors sous deux domaines, d'une, ces archives de recherche, en particulier sur les militants de l'énergie et du gaz, et puis d'autre part, ces archives personnelles de militants et d'acteurs, notamment dans le domaine du théâtre et de la culture. Alors, c'est. Depuis que le grand équipement documentaire a été ouvert à Aubervilliers, ce n'est plus le CHS qui gère ce dépôt, mais c'est le grand équipement documentaire où ces documents sont ouverts à la consultation, à l'exploitation, conformément à ce qu'avait souhaité René quand il a fait ce dépôt. Bien donc, on va démarrer. René, à toi. Bien, merci Michel. Avant de commencer véritablement, je vais faire un petit tableau. Je ne sais pas si nos amis en distanciel pourront voir, pour voir les différents niveaux d'intervention syndicale, hein, à partir à la fois du politique et du syndical. Hein, parce que pour la CGTU, c'est un moment très important. Donc, vous avez au niveau politique l'international communiste, hein, créé après la guerre de 14, qu'on a appelé le Comintern, et son équivalent syndical, c'est l'international syndical rouge. Ça, c'est pour le niveau international, où vont intervenir des militants de l'éclairage et des services publics. Ensuite, on a le niveau national, donc politique, les partis communistes, donc pour la France, le Parti communiste français, pour la France, pour le syndicalisme, la CGTU. Et puis, avec ces fédérations et ces unions. Non, ça, c'est les fédérations sur le plan national. Ensuite, on a le niveau régional. Alors, pour le Parti communiste, je ne connais pas bien ces structures de l'avant-guerre. Est-ce qu'il y a des structures régionales? Je ne sais pas. Michel pourrait peut-être en parler, mais enfin, ce n'est pas tout à fait notre sujet. Par contre, au niveau syndical, on a les unions régionales, et en particulier pour la région parisienne, que j'ai plus particulièrement étudiée, la 20e union régionale, où vont intervenir également des militants
de l'éclairage et des services publics. On a aussi une structure qui est très, très intéressante parce qu'elle est très originale pour les services publics en région parisienne. On a le comité intersyndical des services publics, où Marcel Paul va être un des dirigeants, qui regroupe non seulement les gaziers électriciens et les services publics, mais également les syndicats du métro, de la TCRP. La TCRP, c'est les tramways qui vont être nationalisés à la Libération, et puis la régie des eaux. Et donc ce quatrième niveau, donc qui est le niveau local, donc le quatrième niveau, c'est le niveau local. Donc les municipalités pour le secteur politique et les entreprises pour le secteur syndical. Alors c'est le niveau essentiellement des syndicats. On a donc le gaz, l'électricité, les services publics, et puis un cinquième niveau, on peut dire, qui sont les sections syndicales. Mais parfois, les sections syndicales ont des dimensions de syndicats. Par exemple, dans les hôpitaux, dans l'assistance publique, on a une section syndicale CGTU qui va avoir jusqu'à 5 000 syndiqués. Voilà, donc ça, c'était pour donner un petit peu la structure. Alors maintenant, je commence donc en préambule, en citant trois noms. Je cite Jean-Charles, Jean Métron et Marcel Paul, puisque c'est Jean-Charles qui, à Besançon, lorsque j'étais étudiant, m'a fait découvrir le continent du mouvement ouvrier, et donc qui a travaillé sur la CGTU. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Marcel Paul en 77, et on peut dire que c'est lui qui m'a convaincu qu'il fallait continuer à travailler sur l'histoire du mouvement ouvrier, et en particulier sur son histoire. Et enfin, Jean Métron, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Métron à la fin de sa vie, et il m'a demandé d'écrire les biographies d'une centaine de militants du gaz et de l'électricité, en particulier les plus grands dirigeants, puisqu'il n'y avait pas eu d'historien qui avait travaillé sur ces militants pour le métro. Donc il m'a un petit peu, on va dire, sauté dessus. Voilà, enfin, comme il y a dans la salle François Dutheil, on peut dire aussi que c'est une grande partie grâce à François que je continue à m'intéresser à cette histoire. Alors, avant la CGTU, en 1919, les électriciens rejoignent les gaziers dans la même fédération. La Fédération de l'éclairage devient la Fédération de l'éclairage et des forces motrices. Par ailleurs, existe une Fédération des services publics. Alors pourquoi? Les trois professions ne vivent pas sous le même régime. Leurs employeurs ne sont pas de même nature. Les salariés des services publics ont pour employeur les communes, les conseils généraux. Les gaziers ont pour employeur soit une commune qui a décidé de s'équiper d'une usine à gaz et qui l'exploite sous le régime de la régie directe, comme à Bordeaux ou à Strasbourg, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, soit une société privée sous le régime de la concession ou de la régie intéressée, accordée par la commune pour un temps limité. C'est le cas de la Compagnie du gaz de Paris, par exemple, ou de la Lyonnaise des eaux et de l'éclairage. Les gaziers ont donc affaire le plus souvent à deux interlocuteurs, la ville et le concessionnaire ou le régisseur. Et très vite, les gaziers se perçoivent différents des municipaux et vont donc créer une fédération de l'éclairage, donc distincte des municipaux. Enfin, les électriciens arrivent 50 ans plus tard et ils se perçoivent encore différemment. Ils font partie d'une industrie nouvelle qui va révolutionner la société: éclairage, moteur, téléphonie, cinéma, la fée électricité. Ces ouvriers produisent le courant dans les centrales électriques, ils le transportent, le transforme, le distribue. Il y a aussi les ouvriers qui fabriquent le matériel électrique, les ampoules, les compteurs, les turbines, les alternateurs, les ascenseurs. Ils se sentent d'abord comme des métallurgistes et ils rejoignent la Fédération de l'énergie. Jusqu'en 1919, les électriciens sont dans la Fédération de l'énergie. Alors si, pour ceux qui s'intéressent au syndicalisme d'avant 14, j'ai écrit tout un volume, un numéro spécial des cahiers de l'Institut d'Histoire Mine Énergie sur le syndicalisme des électriciens à la Belle Époque, et en particulier sur la grande figure du syndicalisme d'action directe qui a été Émile Pateau,
et que, donc, qui continue à me passionner. Donc la Fédération de l'éclairage ne comprend au départ que les gaziers. Alors, après la guerre de 14, l'économie repart, les industries se transforment, l'électricité s'impose un peu partout. Pour l'éclairage, elle remplace le gaz. Pour les transports, pour les machines, les grands barrages démarrent, hein, Aiguzon en 1926. De grosses centrales électriques sont construites en région parisienne, hein, comme Arrigny à Vitry, Gennevilliers, une des plus grosses centrales d'Europe, Nantes également. L'interconnexion de la région parisienne est réalisée en 1929. Ça va s'appeler d'ailleurs Hercule, ce projet d'interconnexion de la région parisienne. Et la composition du salariat change aussi. Les ingénieurs prennent une place de plus en plus importante. Des groupes géants privés prennent le contrôle de l'électricité et du gaz. Le groupe Mercier, la Lyonnaise des Eaux. Hein. Un personnage très important de cette époque, c'est Ernest Mercier, qu'on a appelé le roi de l'électricité, mais c'est également le roi du pétrole, puisqu'il va fonder la Société française des pétroles, qui va exploiter les pétroles d'Irak. Hein. L'ère du pétrole démarre en parallèle avec l'électricité. Le gaz, par contre, est à la traîne. On n'a pas encore découvert le gaz naturel. Le gaz est produit encore à partir du charbon dans des usines où domine un prolétariat peu qualifié et très combatif, hein, surtout beaucoup de Bretons. Alors, en 1919-1920, le syndicalisme va se transformer lui aussi. Après la guerre, on assiste à un vaste mouvement de syndicalisation. Les plus gros syndicats sont en région parisienne. Les ingénieurs entrent aussi dans l'action. En 1919, un ingénieur sorti de centrale, Roger Franck, fonde l'USTICA, Union syndicale des techniciens industrie, commerce et agriculture. L'USTICA est très proche de la CGTU. Et parmi les dirigeants de l'USTICA, on va trouver un certain Delers, qui sera conseiller technique de la Fédération CGTU de l'éclairage et qui va devenir un des amis de Marcel Paul. Hein. Enfin, sur l'USTICA et sur les ingénieurs à cette époque, André Jéglé pourra peut-être nous en dire plus tout à l'heure. Le mouvement ouvrier est à l'offensive, mais les grèves se concluent par l'échec et la répression. Des milliers de cheminots, de gaziers, d'électriciens sont licenciés. Le 1er mai 1919, à Paris, un jeune électricien de 19 ans, Charles Lorne, ouvrier à la centrale de Saint-Ouen, est tué par la police. Pendant toute l'entre-deux-guerres, le syndicat CGTU des électriciens de la région parisienne rendra hommage à Charles Lorne tous les ans, au 1er mai, au Père Lachaise. Le mouvement syndical, le mouvement reflit, arrive le temps de la grande explication. D'où vient l'échec? Les révolutionnaires font trois critiques de fond au réformisme. L'union sacrée pendant la guerre de 14, le non-soutien à la révolution russe, enfin leur conduite lors des grèves de 1920. Ils ont freiné le mouvement. En décembre 1920 à Tours, l'espoir se lève pour le courant révolutionnaire. Par contre, l'année d'après, les réformistes ont leur revanche. Ils obtiennent la majorité au sein de la CGT. Les révolutionnaires sont poussés dehors et ils créent la CGTU. Dans l'éclairage, la majorité des syndicats choisit la CGT Jouhaud. En nombre de syndiqués, la CGT l'emporte elle aussi, 16 000 contre 7 500 pour les révolutionnaires. En région parisienne, par contre, la CGTU, ce qui va devenir la CGTU, domine largement. Les deux plus gros syndicats, Gaz de Paris et Producteurs d'électricité, sont largement à majorité CGTU. L'empreinte du syndicalisme d'action directe d'avant 14 reste très forte. La division CGT-CGTU ne recouvre pas totalement le clivage réformiste-révolutionnaire. Dans plusieurs syndicats, les minoritaires CGTU sont restés à la CGT. Exemple, le syndicat des employés contremaîtres des secteurs électriques, qui va être dirigé par Émile Pasquier, un des proches compagnons de Marcel Paul, qui va coopérer tout au long avec la CGTU. Alors, les deux fédérations, CGTU, éclairage, et services publics vont rester distincts jusqu'en 1927. L'éclairage d'abord. La fédération CGTU de l'éclairage s'installe rue de la Grange-aux-Belles, mais par contre, la CGTU s'installe rue de la Grange-aux-Belles, par contre, la fédération de l'éclairage n'a pas de place à la Grange-aux-Belles, elle va aller à la maison commune 49 rue de Bretagne, puis avenue Mathurin-Moreau, dans de vieux locaux. La fédération CGT Jouhaud, par contre, siège rue Lafayette. Le premier congrès fédéral CGTU est réuni à Saint-Étienne en juin 1922.
un certain François Salom est élu secrétaire. Quelques jours plus tard, il entre à la CE confédérale. On n'en sait pas beaucoup sur ce militant. Il n'est pas tout jeune, il a 34 ans, il est originaire d'Alger. C'est un ancien marin, comme beaucoup d'électriciens des centrales. Il est entré à la CPCU, donc la compagnie parisienne de distribution d'électricité, avant la guerre. Il n'est pas membre du Parti communiste. On va voir d'ailleurs son évolution par la suite. En ce qui concerne les services publics, après la scission, la fédération CGT Jouot quitte la Bourse du Travail, s'installe rue Lafayette. Elle perd la moitié de ses adhérents, passant de 40 000 en 1919 à 20 000 en 1922. Ce qui ne veut pas dire que les 20 000 perdus sont passés à la CGTU. Il y a le reflux syndical suite à l'échec de la grève de 1920. Maurice Copignaud, secrétaire général de la fédération va quitter la direction, un des fondateurs de la fédération CGT des services publics, quitte la direction. La fédération des services publics est dirigée dès 1924 par un communiste, Yves Chauvel, qui est déjà assez âgé, enfin pour l'époque, puisqu'il est né en 1876, garçon de cuisine à Lariboisière, à l'hôpital Lariboisière. Et Maurice Nilès, que tu as connu, je crois, né en 1890, ouvrier au service des eaux de la ville de Paris, et qui sera maire d'Aulnay-sous-Bois en 1935. Alors, je distingue deux grandes périodes pour cette histoire de la CGT. De 1922 à 1927 et de 1927 à 1935. Il y a une rupture dans les années 27-28. Alors, pour la première période, pour l'éclairage, dès la fin de 1922, François Salom est remplacé par un dirigeant du gaz du Havre, Vielle, qui va être un des dirigeants d'une grande grève du gaz en 1922 au Havre. La suite est confuse car les archives sont maigres. Quelques bribes dans les archives de Moscou. J'ai fait le recensement pour les cahiers de l'Institut Minénergie. Les directions fédérales se succèdent sans figure émergente. Le nombre de syndicats progresse à peine. 15 syndicats en 1922 et 19 en 1927. Le nombre d'adhérents progresse également très peu. Sur cette quinzaine de syndicats, jusqu'en 1927, je n'ai pas retrouvé d'archives, alors que côté CGT Jouot, on a des informations régulières sur chaque syndicat par le journal fédéral Éclairage et Force Motrice qu'on trouve sur le site de Gallica, qui consacre dans chaque numéro plusieurs pages à la vie des syndicats. Une traduction d'ailleurs qui remonte à avant 14. Un cas mériterait d'être étudié pour cette période, c'est le cas de Saint-Étienne, puisqu'on a un gazier, un certain Jean Fabre, dont j'ai fait la biographie dans le Métron, qui présente une particularité rare. Il a été délégué à tous les congrès confédéraux et à tous les congrès fédéraux CGTU, de l'éclairage. Et donc aussi, d'après ce que m'avait dit Marcel Paul, c'est un militant très, très important de cette période. En nombre, le plus gros syndicat, c'est le gaz de Paris, avec les bastions prolétaires des usines à gaz, l'usine de la Villette à Paris, qui est sur l'emplacement du musée des sciences actuel, le Cornillon et le Landy à Saint-Denis, sur l'emplacement du Stade de France. Hélas, pas d'archives. Jusqu'en 1930, communistes et partisans de la Ligue syndicaliste, c'est-à-dire la tendance monarque, alternent à la direction et en 1930, les communistes prennent définitivement la direction du syndicat du gaz de Paris. Côté producteur d'électricité, on en sait un peu plus sur le deuxième plus gros syndicat de la fédération. Ce syndicat est dirigé au départ, donc, comme je l'ai dit, par François Salom, mais peu à peu, mais petit à petit, un petit groupe de la tendance monate prend la direction de ce syndicat avec Paul Marsloff, ouvrier électricien à Saint-Ouen, Henri Bouveron et André Kérodi, donc la Ligue syndicaliste.
Côté service public, je n'ai pas d'informations globales sur la fédération CGTU jusqu'en 1927. Je n'en ai que sur la région parisienne et un petit peu sur Marseille. La fédération est surtout implantée en région parisienne. Le plus gros syndicat est le syndicat des travailleurs municipaux, départementaux et de l'assistance publique, jusqu'à 30 sections et 12 000 adhérents. Les figures majeures donc, de ce syndicat sont Yves Chauvel et Maurice Millès, qui dirigent également la fédération. Mais il y a deux sources importantes sur cette période pour les services publics, qui sont sur Gallica, un journal qui s'appelle L'écho des travailleurs, qui est le journal de l'assistance publique, du syndicat de l'assistance publique, et L'Action, journal des municipaux. Alors, conclusion pour cette période 1922-1927. En 1927, les communistes, d'abord minoritaires, vont diriger les plus gros syndicats, aussi bien l'éclairage que le service public. Cependant, dans ces deux secteurs, la CGTU ne parvient pas à s'imposer face aux confédérés. D'où la fusion de deux fédérations en 1927. Il y a une autre cause possible pour cette fusion des deux fédérations, c'est que les syndicalistes de l'éclairage en difficulté pensent qu'ils seront plus forts que s'ils se regroupent avec les services publics, car ils ont affaire, notamment en région parisienne, aux mêmes interlocuteurs, c'est-à-dire les municipalités et la préfecture de la Seine. Alors, on pourrait peut-être regarder le premier tableau. J'ai fait sept tableaux pour un peu illustrer cette conférence. Là, c'est pas le premier, c'est le premier qui vient. Oui, c'était le premier que j'avais. Tu veux me dire, non? Ça s'appelle comment? Non, alors c'est dans l'autre sens. C'est celui qui est le plus bas, qui est le premier. C'est tableau syndical. Alors, je ne sais pas si nos amis de... en distanciel peut voir. Donc je ne vais pas commenter tout le tableau. J'ai fait un recensement de tous les syndicats CGTU de l'éclairage. Donc on voit qu'ils sont concentrés en région parisienne, mais aussi dans un certain nombre de villes qui ne sont pas d'ailleurs forcément des régions ouvrières, et avec une participation au congrès qui n'est pas, à part le gaz et les producteurs de la région parisienne, et qui n'est pas extraordinairement... il n'y a pas une présence extraordinaire. Tu peux passer le deuxième tableau. Donc, on a en gros une quinzaine de... Une vingtaine de syndicats. Alors pour les services publics, donc malheureusement, je n'ai pu retrouver d'archives que pour la région parisienne. C'est un très gros syndicat avec jusqu'à 30-35 sections. La plus grosse section étant l'assistance publique de Paris, de la région parisienne. Alors c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit. Moi, je m'intéresse pas mal à l'histoire des hôpitaux, et il y a une activité syndicale extrêmement intense dans les hôpitaux parisiens, de la CGTU. Dans chaque hôpital parisien, pratiquement, on a une activité. J'ai aussi, donc on retrouve aussi, section par section, toutes les professions de la ville de Paris, les cantonniers, les mécaniciens, les égoutiers. Donc c'est un secteur très très important avec un taux de mortalité considérable. Il y a des années où il y a plusieurs égoutiers qui sont tués dans les égouts, les pompes funèbres, les paveurs, l'horticulture, l'octroi, même les femmes de service, les cantinières, désinfecteurs de l'approvisionnement, je crois que c'est les marchés aux bestiaux. En plus, les tirus, alors, il y a même un certain Dutheil, et ouvriers. Alors, les tirus, ce sont les usines de traitement des résidus urbains qui ne sont pas rattachés à l'éclairage, mais qui sont rattachés au service public parce que c'est les employeurs, c'est la ville de Paris. Les gardiens de cimetière et plus les chauffeurs. Voilà, ça c'est le
avec à chaque fois des sections syndicales très, très actives. Alors, je continue. Donc, on passe à la deuxième période, de 1927 à 1935. Donc, ces années 27-35 sont marquées à la fois par la crise économique, la montée du fascisme et l'installation du stalinisme sur le plan international. Contre la crise, la CGTU va impulser des luttes sur les salaires, les statuts, les bases multiples. Contre la crise et le fascisme, la CGTU va faire front, front unique, puis front populaire, et cela va donner le front populaire un grand moment dans l'histoire, une poussée infinie d'espérance, comme disait Marcel Paul, une poussée infinie d'espérance. Il avait l'art des formules. Dans l'éclairage, il n'y a toujours pas d'archives fédérales, rien à Montreuil, rien dans les archives de Moscou. En septembre 27, le premier congrès de fusion a lieu, donc éclairage et service public. L'éclairage propose 19 syndicats et de 15 000 à environ 15 000 adhérents, et les services publics, 28 syndicats et environ 28 000 adhérents. Donc la tendance. Il y a une forte majorité, disons, du côté service public. La tendance ligue syndicaliste est définitivement battue. Les communistes prennent la direction de la nouvelle fédération et également de la direction confédérale, juste après, au quatrième congrès confédéral. Les deux secrétaires élus, l'un pour l'éclairage, l'autre pour les services publics, sont communistes. Pour l'éclairage, il s'agit d'Émile Dubois, du Gaz de Paris, qu'on va revoir, parce qu'il va avoir des responsabilités importantes au niveau municipal, dans une ville de banlieue, et il sera également déporté à Buchenwald, et Yves Chauvel, qu'on a déjà vu. En 1926, d'ailleurs, le Parti communiste a renvoyé en URSS Yves Chauvel, ainsi que deux autres militants, Gerbois et Georges Le Bigoud, également, qui sera également déporté. En novembre 31, arrivent deux nouveaux secrétaires pour cette nouvelle fédération, Bernard Sestac, employé à la mairie de Villejuif, et Marcel Paul. Sestac et Paul vont diriger la fédération jusqu'à la réunification. Dans la nouvelle commission exécutive de 1927 de la fédération, entrent de nouveau donc Marcel Paul et Léon Mauvais. Pour la première fois, leur nom est associé. Ils vont cheminer ensemble, en parallèle, et ils vont cheminer parfois en parallèle et parfois ensemble, comme au Conseil municipal de Paris. Plusieurs grandes questions sont au centre de l'activité fédérale, la lutte contre le fascisme, la lutte pour l'unité et la question des statuts. Alors, au Gaz de Paris, dans les années 80, j'étais amené à consulter les archives du Gaz de Paris, enfin, du côté direction, et dans ces archives, j'ai retrouvé une collection du journal des gaziers CGTU, le journal s'appelait Les Gaziers de Paris, de 1927 à 1933. C'est un trésor, c'est la seule collection d'un journal de la CGTU de l'éclairage. Cette collection se trouve maintenant au centre de la rue Malheur, donc il n'est plus rue Malheur, dont on parlait tout à l'heure Michel. En mai 1930, les majoritaires de la CGTU prennent la direction du syndicat, donc Émile Dubois est secrétaire général. Parmi les nouveaux dirigeants, on trouve plusieurs militants de l'usine de la Villette, dont Corentin Cariou, qui sera résistant et fusillé. Une avenue du 19e et une station de métro portent son nom dans le quartier de l'ancienne usine de la Villette. On trouve aussi Pierre Quéroutret, qui prend la suite de Dubois à la tête du syndicat en 1933 et qui sera élu maire communiste de Romainville en 1935. Ce syndicat est très dynamique. Donc le syndicat du gaz de Paris, après la lutte contre la ligue syndicaliste, c'est la lutte contre les doriotistes, les partisans de Doriot. Dans les années 32-35, deux militants importants, Auguste Persancier et Yves Mahé, vont dans les usines à gaz de Saint-Denis et mener la bataille contre les doriotistes qui dirigent le syndicat CGTU. Et les doriotistes sont finalement chassés du syndicat. Côté électricité, jusqu'en 26-27, les communistes et la Ligue syndicaliste dirigent ensemble le syndicat. Salome, proche des communistes, est secrétaire pour Paris. Bouveron, Ligue syndicaliste, secrétaire pour la banlieue. Il y a deux secteurs. Hein. Mais tout va basculer début 1927. Le 27 mars 1927, l'AG du syndicat met en minorité sa direction Ligue syndicaliste.
Elle élit une direction de tendance communiste, Salom pour Paris et Léon Mauvais pour la banlieue. Salom n'est pas encore adhérent au Parti communiste. Les adversaires plaisantent alors méchamment en parlant du couple Mauvais-Salom, un monstre à deux têtes. Coup de théâtre un peu plus tard, Salom est accusé par la Ligue syndicaliste d'avoir piqué dans la caisse. Salom nie et pour être mieux défendu, il adhère au Parti communiste. Les communistes soutiennent Salom. Ont-ils confiance en Salom ou ce soutien est-il l'occasion rêvée de se débarrasser de la Ligue syndicaliste? Toujours est-il que le 28 décembre 1927, l'AG du syndicat exclut les quatre responsables minoritaires et l'affaire du vol n'aura pas de suite. Les minoritaires adhèrent alors au syndicat CGTU des chauffeurs-conducteurs. À son tour, ce syndicat est exclu de la fédération. Les exclus créent un syndicat autonome avec un journal, La Voix des exclus, puis le Denis Papin, dont la collection, normalement, devrait être dans les archives de la fédération, mais cette collection a disparu. Ça me met en colère. Bon. Ce syndicat restera très minoritaire. Au moment des pourparlers pour la réunification, il adhérera à la CGT pour peser en faveur de la direction CGT-Jouot dans le rapport de force. La Ligue syndicaliste perd un de ses derniers bastions et au Congrès fédéral de septembre 27, la tendance communiste accède à la direction, comme je l'ai dit. Salom et Mauvais appellent à la grève pour le 1er mai 1928 et pour cela, ils sont révoqués par la direction de l'Union d'électricité, donc Ernest Mercier. Il y a encore une lettre dans les archives d'Ernest Mercier disant à Mauvais qu'il ne pouvait plus faire partie de son personnel parce qu'il avait appelé à la grève pour le 1er mai. Ils seront réintégrés seulement en 1937. À partir de là, Mauvais devient permanent et il va se consacrer de plus en plus à la fédération CGTU et au Parti communiste. L'année 1927 est décisive pour Marcel Paul. En mars, il est élu secrétaire général du syndicat pour Paris. Il remplace Salom qui vient d'être désigné candidat communiste aux élections municipales. Dans le 14e déjà, en 1929, Léon Mauvais reste secrétaire du syndicat pour la banlieue. En 1929, en avril, il est élu membre du comité central du PCF. En septembre, il est élu à la CE de la CGTU. Et en 1931, il va devenir secrétaire confédéral. Mais, toujours en 1929, le 21 juillet 1929, 95 dirigeants du Parti communiste et de la CGTU, dont Marcel Paul, sont arrêtés à Villeneuve-Saint-Georges pour complot contre la sûreté de l'État. Mauvais n'est pas à Paris, il représente la CGTU à un congrès contre l'impérialisme à Francfort, il n'est donc pas arrêté. Il est lui aussi inculpé de complot et il doit se cacher pendant 8 mois. Marcel Paul sera arrêté quelques jours. Mauvais, lui, est envoyé début 1930, il est envoyé à Moscou comme représentant de la CGTU auprès de l'ISR, donc auprès de l'International syndicale rouge. Il ne rentrera en France que début 1931. Alors, suite de l'affaire Salom, en 1929, donc, ont lieu des élections municipales à Paris. Et réunion avec la tradition d'avant 14, le Parti communiste et le syndicat présentent des candidats pour défendre au conseil municipal les intérêts du personnel. Salom est candidat communiste dans le 14e contre le conseiller sortant socialiste et il est élu. Mais coup de théâtre, quelques mois plus tard, 6 conseillers municipaux communistes de Paris signent une lettre au bureau politique réclamant plus d'indépendance. Ça va être la lettre des 6. Ils sont suivis par des militants syndicaux, dont Louis Castelaz, conseiller municipal du quartier de Bercy et l'un des fondateurs du syndicat CGTU, des services publics, ainsi que Louis Gerbois, infirmier à l'hôpital de Bicêtre. C'est l'affaire des 22 qui seront exclus du Parti communiste et qui vont fonder un nouveau parti, le Parti ouvrier paysan, devenu Parti d'unité prolétarienne. Et dans la foulée, Salom indique lui aussi qu'il quitte le Parti communiste et qu'il rejoint les 6 et les 22. Et du coup, André Barthy se retrouve le seul conseiller municipal communiste au conseil municipal de Paris, de 1929 à 1935, il n'y a plus qu'un seul conseiller municipal à Paris. Ces années marquent un net recul du Parti communiste et de la CGTU. En 1930,
les trajectoires de Mauvais et de Paul bifurquent. Mauvais se concentre sur le PC et la Confédération, et Marcel Paul sur le comité intersyndical et la Fédération. À la tête du syndicat, Léon Mauvais est remplacé par Émile Loiseau, puis par René Terron, et Marcel Paul est remplacé par Clément Baudouin. Il va se consacrer maintenant à la Fédération et au comité intersyndical des services publics. Donc, en résumé, pour le syndicat tient, le syndicat des producteurs tient bien le coup dans cette période. Alors, on pourrait peut-être regarder le tableau de Marcel Paul et Léon Mauvais. Oui. Alors j'ai fait une sorte de tableau parallèle de leurs deux vies en quelque sorte jusqu'au Front populaire parce qu'ils sont ils ont à peu près le même âge hein, pas tout à fait mais Léon Mauvais est un petit peu plus jeune et donc côté CGTU ils ont un peu leur parcours côté comité intersyndical donc qui est une grosse structure pour la région parisienne Léon Mauvais ne participe pas du tout c'est Marcel Paul qui est à la tête de ce comité intersyndical. L'Union régionale des syndicats CGTU de la région parisienne, Léon Mauvais n'y participe pas non plus, redescend un petit peu. Et par contre, c'est au niveau de la fédération. Enfin, bon, voilà, on peut comparer les deux itinéraires. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que. Alors, pour le service public. Il y a une grosse différence entre l'éclairage et le service public. Pour le service public, la sociologie est beaucoup plus diversifiée que dans l'éclairage, à la fois du côté du prolétariat, puisqu'on trouve des égoutiers, des cantonniers, des cuisiniers, des fossoyeurs, des mécaniciens de garage. On trouve aussi beaucoup d'employés, des ambulanciers, des gardiens, etc. Et on trouve des infirmières. Et les premières militantes infirmières vont apparaître avec Edmé Dijou, dont je vais parler, et Maria Boissonnade à Paris. Par contre, donc, comme je l'ai dit, il y a une proximité avec l'éclairage concernant les interlocuteurs. Alors, avant l'arrivée de... Je vais parler maintenant de la question de la lutte contre le fascisme. Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la CGTU alerte sur la montée du fascisme et la menace d'une nouvelle guerre mondiale. Les écrivains Henri Barbusse et Romain Rolland sont à l'initiative d'un congrès mondial contre la guerre qui a lieu à Amsterdam en août 1932. Ils donnent naissance au mouvement Amsterdam Pleyel. Et parmi les délégués des syndicats français à Amsterdam, on va trouver plusieurs militants CGTU de l'éclairage, dont Émile Loiseau, Clément Baudouin, André Girard, ainsi que Émile Pasquier. J'ai d'ailleurs, dans les porteurs d'énergie, il y a une très belle photo où on voit ce groupe des militants de l'éclairage à Amsterdam. En février 1933, Hitler arrive au pouvoir. La France est la prochaine cible. Le 27 avril 1933, Marcel Paul est à la Bourse du Travail de Marseille pour une assemblée du syndicat CGT des hospitaliers. Cette assemblée de 500 à 600 personnes, à l'unanimité, décide de quitter la CGT et de rejoindre la CGTU. L'événement est salué à la une de l'Humanité. Le 4 août, Marcel Paul est à nouveau à Marseille pour saluer ce syndicat. À la sortie de la réunion, vers midi, dans un restaurant, place de Villeneuve, il est violemment agressé par un groupe d'hommes. Une jeune militante infirmière, Edmé Dijou, se porte à son secours, tente de le protéger. Elle est frappée violemment. Marcel Paul est transporté pour être soigné à l'Hôtel Dieu. Il n'est pas blessé sérieusement. Il a été protégé par un autre militant, Alphonse Gire, électricien à l'Hôtel Dieu. Edmé Dijou, par contre, meurt quelques jours après, des suites de l'agression.
La famille d'origine bourgeoise fait tout pour étouffer l'affaire. Le Parti communiste et la CGTU mènent une campagne contre les fascistes liée au grand banditisme marseillais. Noël Renucci fait partie des agresseurs. Il a déjà tué un militant à Marseille en février 31. Il a été condamné à 5 ans de prison. Il est sorti au bout de 2 ans. François Billou, dans les années 60, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'avais même travaillé, racontait comment le Parti communiste, dans ces années, avait bataillé, souvent avec succès, contre le grand banditisme à Marseille, lié au fascisme. Arrivent les journées de février 34, avec une participation très importante de la CGTU, en particulier à la grève et à la manifestation à Paris. Et là aussi, il y a un très, très beau témoignage de Léon Mauvais quand il a été interviewé par Marius Berthoud. Je ne sais pas si vous connaissez cet enregistrement. Léon Mauvais était chargé de la sécurité du cortège de la CGTU. Il a vu arriver les deux cortèges de la CGT et de la CGTU se faisaient face. Il avait terriblement peur qu'il y ait une confrontation. Et en fin de compte, ça s'est terminé par des embrassades et l'international. Et donc, les deux cortèges ont fusionné à ce moment-là. Et donc, on peut dire que l'unité syndicale, ça a été un moment très, très important dans l'unité syndicale. La Fédération de l'éclairage et des services publics joue un grand rôle dans la réalisation de l'unité. Elle se fait d'abord à la base, syndicat par syndicat. Parallèlement, l'unité avance au sommet. Le 6 septembre 1934, Marcel Paul se rend d'abord à Pau avec Pierre Queretré au congrès de la Fédération CGT de l'éclairage, dirigé par Charles Biot. Quelques jours plus tard, il est reçu au congrès de la Fédération CGT des services publics à Nice. À ce congrès, Lucien Jaillat, futur secrétaire général de la Fédération Unifiée, présente une résolution qui propose la fusion sur des bases concrètes très positives. André Daritzen nous a appris que l'origine de cette résolution se trouve dans la position exprimée dans l'été 34 par Louis Saillant à l'UD Drôme Ardèche. Jouot était, paraît-il, furieux. Cette résolution est un coup d'accélérateur. Les pourparlers d'unité démarrent le 9 octobre. Avec une commission mixte CGT-CGTU qui se réunit. Alors, dans cette commission CGT-CGTU, dont André Naritzen a publié un livre qui est formidable, qui est le sténogramme des discussions de l'unité, et donc on apprend que dans cette délégation, on trouve donc Marcel Paul et Léon Mauvais qui assistent à Marcel Paul assiste à 3 séances et Léon Mauvais à 2. Mais c'est surtout les plus anciens qui interviennent, hein, c'est Sémard, Montmousseau, Racamon, Frachon. Marcel Paul me disait que c'était ces militants plus âgés qui l'avaient formé syndicalement et politiquement. Ils avaient quelques années de plus que Marcel Paul et Léon Mauvais. Les deux fédérations rivalisent pour avoir donc je ne détaille pas hein, ce que dit Léon Mauvais dans ce. Enfin, il intervient surtout quand même sur la question de l'indépendance des syndicats par rapport au parti, en rappelant que beaucoup de dirigeants de la CGT qui s'affirment apolitique ou ne pas avoir d'appartenance politique font partie de partis, ont souvent des responsabilités au Parti socialiste. Et donc, on n'accuse pas les communistes de la CGTU d'avoir des appartenances au Parti communiste, alors parce que du côté CGT, il y a la même chose du côté socialiste. Ils sont aussi adhérents au Parti socialiste pour beaucoup. Les deux fédérations, donc dans la perspective de l'unité, vont rivaliser pour avoir le maximum d'adhérents avant la fusion. Le syndicat autonome des électriciens de la région parisienne, par exemple, va rejoindre la CGT, et le syndicat autonome des employés et contremaîtres des secteurs électriques de la région parisienne, le syndicat de Pastier, va rejoindre la CGTU. Bon, c'est de bonne guerre. Le congrès d'unité a lieu à Toulouse. La fédération CGT revendique 17 000 adhérents, la CGTU 9 500. Les ex-confédérés sont majoritaires à la direction. Marcel Paul n'obtient que le poste de secrétaire adjoint.
Mais la grande grève et le mouvement de syndicalisation massive vont rapidement changer la donne. Dès le mois de juin, le courant CGTU se renforce et devient majoritaire parmi les syndiqués. Parallèlement à la lutte pour les salaires, pour un meilleur statut, la Fédération des services publics et le Comité intersyndical des services publics de la région parisienne vont avancer sur une question importante qui est la question des bases multiples. La CGTU n'a pas attendu la directive de 1927 de l'Internationale communiste, enfin, ou plutôt de l'ISR, pour créer des bases multiples. À partir de 1923, elle participe à la gestion de l'orphelinat ouvrier L'Avenir social et participe à la souscription pour l'achat de la Villette aux zones, enfin pour l'orphelinat ouvrier. Le syndicat CGTU des municipaux gère une colonie de vacances dès les années 20. Mais l'arrivée de Marcel Paul à la tête de la fédération va donner plus d'ampleur au mouvement. En 1934, en plein cœur de Paris, rue de Bondy, donc aujourd'hui rue René Boulanger, près de la Bourse du Travail, est créé un centre d'œuvres sociales des services publics de la région parisienne, géré par le comité intersyndical. Il comprend un dispensaire, un service juridique, une coopérative, transféré par la suite rue Richerand. En 1935, Marcel Paul touche un petit héritage, sans doute de sa mère, il le reverse aussitôt pour cette institution. La rue de Bondy est le germe de ce qui sera plus tard le CCOS, fondé en 1947. Alors, en conclusion, je dirais que la fédération CGTU au sein de la Confédération prépare les victoires des périodes suivantes. Front populaire, résistance, libération. Dans plusieurs secteurs. L'unité syndicale d'abord. On l'a vu, la fédération et ses syndicats ont été très actifs sur ce terrain. Cette unité syndicale est à l'origine des grandes conquêtes de 1936. L'antifascisme, en deuxième point. Le fascisme ne prend pas le pouvoir en France. Au contraire, ce sera la victoire du Front populaire. Les militants de la CGTU vont être en première ligne contre l'occupant. En région parisienne, dans les services publics, la résistance va s'organiser en grande partie à partir d'hommes et de femmes formés dans la CGTU. Plusieurs militants seront déportés. Marcel Paul à Buchenwald, avec Émile Dubois, le dirigeant du gaz de Paris, qui a été, d'après ce que me disait Marcel Paul, sauvé par à Buchenwald, sauvé par la soupe des morts. Vous savez, quand un déporté mourait, les résistants essayaient de cacher sa mort pour qu'il continue à toucher sa portion de soupe, ce qui permettait de nourrir les déportés les plus faibles. Et donc, Émile Dubois était parmi ceux-ci. Il y a également Maria Boissonnade, militante CGTU de infirmière déportée à Ravensbrück, Mathurin Lemoulac, militant également des services publics déporté à Mauthausen. Plusieurs militants sont morts en déportation, Georges Le Bigot, mort à Auschwitz, François Le Bihan, mort à Auschwitz. François Le Bihan a eu une fille, Cécile. Cécile a épousé Rol Tanguy. Cécile était également résistante. Elle est morte il y a quelques temps. On a très peu parlé d'elle, mais c'était la fille de François Le Bihan qui était responsable de la fraction communiste des services publics. Je vais retrouver là. Je fais une toute petite place dans le métro, mais pas suffisamment grande. Autre point, dans les côtés positifs du bilan de cette fédération, les œuvres sociales. La rue de Bondy préfigure en petit ce que va être le CCOS et ensuite la CCRS, les grandes œuvres sociales des gaz et des chrétiens. Le statut national, j'en ai très peu parlé, mais pendant ces années, la CGTU se bat pour que les électriciens de la région parisienne dispose du meilleur statut qui était le statut des électriciens de Paris.
parce que les électriciens de la banlieue avaient un statut qui était un statut d'équivalence, mais qui n'était pas aussi bon que les statuts de Paris. Donc, le Front populaire va aboutir à un statut unique, région parisienne, et ce statut unique va être le marchepied pour le statut national que va revendiquer Marcel Paul au congrès de 1937. Sur la question des statuts, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Marcel Paul disait que les secteurs publics de la région de Paris en particulier avaient obtenu un des meilleurs statuts en France du personnel parce que la bourgeoisie, après la Commune de Paris, ne voulait pas que la Commune de Paris se renouvelle. Et donc, une des façons que ça ne se renouvelle pas, c'était de donner un très bon statut à son personnel municipal. Et d'autre part, les socialistes et au conseil municipal dans les années 1900 avaient également beaucoup bagarré pour que ce personnel ait un bon statut. Et puis, il y a eu aussi la lutte des gaziers d'abord qui ont obtenu un très bon statut en 1906, puis la grande grève de 1907, la grève Pateau, où Paris a été mis dans le noir pendant 24 heures. Et en 24 heures après, les électriciens avaient le meilleur statut, avait le statut des gaziers. Donc aussi, la CGTU a fait avancer aussi la question des statuts. Autre élément, l'union avec les ingénieurs et cadres. La fédération CGTU n'a pas eu de syndicalisme cadre. C'est seulement en 1937 que la fédération CGT réunifiée décide de créer un syndicat de cadres, le GNC. Mais cette création a été préparée par l'Ustica, et par le travail continu de l'ingénieur de l'ERS, cet ingénieur du gaz. Dans tous les congrès de la CGTU de l'éclairage, de l'ERS faisait un rapport technique sur la situation des deux industries. Donc les militants étaient informés, avaient une connaissance économique, disons, grâce à l'ingénieur de l'ERS. Et ensuite, Marcel Paul prendra cet exemple pour le GNC. Enfin, les mairies communistes. Plusieurs mairies communistes ont été dirigées par des militants de la CGTU. Pierre Kerotret à Romainville, Émile Dubois, j'avais oublié de dire Émile Dubois, donc déporté à Buchenwald, a été maire d'Aubervilliers. Maurice Millès, maire d'Aulnay, et son fils, également Maurice Millès, il y a deux Maurice Millès, maire de Drancy. Émile Pasquier, son syndicat qui a rejoint la CGTU avant l'unification, sera longtemps maire adjoint au logement à Ivry et développera un grand programme de logement social à Ivry, dont on voit encore quelques restes fastueux. Donc, le bilan de la Fédération de l'éclairage et du service public n'est pas négligeable. Et au-delà du Front populaire et de la résistance, il y a la libération. N'oublions pas l'œuvre de Marcel Paul et de d'Ambroise Croizat, deux militants de la CGTU, deux dirigeants des deux grandes fédérations CGTU, éclairage et puis métallurgie, à l'origine des deux avancées majeures pour la France, la sécurité sociale pour tous et la nationalisation de l'énergie, deux moteurs des Trente Glorieuses et au-delà. Bien, merci René pour cet exposé. Alors, la discussion est ouverte à la fois avec la salle, avec les auditeurs en visio. Je peux, moi, commencer, mais je ne voudrais pas plomber un peu les choses d'emblée. J'ai deux choses. D'abord, voilà. Dans les noms qu'il a prononcés, il y en a beaucoup. Maurice Ness, je l'ai connu. Oui. On était face à face au comité fédéral de la Fédération du Parti communiste de Seine-Nord-Est. Donc, si j'avais une photo, je le reconnaîtrais encore. Les autres, Marcel Paul aussi, je l'ai un tout petit peu connu, mais une fois, enfin, je l'ai rencontré. Mais l'intéressant, c'est quand tu as parlé d'Edmé Dijoux, parce que je découvre aujourd'hui exactement quel était son rôle. Dans la famille, elle était connue, parce que nous habitions à ce moment-là dans les Hautes-Alpes, et la famille avait ses racines dans les Hautes-Alpes, à côté d'une petite centrale qui exploitait une chute d'eau avec deux turbines, à Baratier, ça s'appelait, c'est un tout petit bled, comme ça. Et au moment où les faits se sont produits, j'étais bien trop jeune pour avoir retenu ce nom-là. Mais la famille est de nouveau rentrée en politique après-guerre. Et c'est là que mon père a dit à Médijoux, il a parlé de Médijoux. Je ne savais pas comment, qu'elle était morte, ni comment elle était morte, mais voilà.
Les racines, là, sont... Et puis, on pourrait continuer sur quelques autres. Pasquier, dans les archives de Moscou, c'est lui qui correspond avec mon père. Presque toujours, c'est lui qui répond, en s'excusant de répondre avec retard. Voilà, mais enfin, là, c'était la vie syndicale. La question que je veux poser, c'est quel est le rôle, l'influence de l'international communiste sur la vie syndicale? Parce que je te pose cette question parce qu'ayant lu le livre qui s'était au salon du livre sur Sémar, j'ai découvert à quel point, dans la période de la CGTU, il y avait une influence extérieure dans la vie à mélanger ping-pong entre le parti et communiste et la CGTU. C'était pratiquement les décisions de transfert d'un poste à l'autre semblaient venir de l'extérieur. Tu n'en fais absolument pas allusion à cette question, et on sent que là la base est beaucoup plus se laisse moins faire. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce que tu as des éléments sur l'ingérence, ou bon, ça, à l'époque c'était pas vécu comme une ingérence d'ailleurs, du communisme international et de l'ISR là-dessus. Voilà. Ouais. Un peu quand même, c'était vécu comme une ingérence. La Ligue syndicaliste, oui. Précisément, elle se constitue contre. Mais c'est ce qui m'a frappé, c'est que dans le livre sur Sémar, ça n'est à aucun moment les témoins ne le présentent comme étant perçus comme une ingérence. Moi, je comprends mieux des choses comme jeune militant. Je vois bien d'où viennent certains comportements, certaines façons de faire. Les racines, comment cette CGTU s'est formée, comment leur idée c'était la révolution impossible, donc il fallait une unité internationale, et ils acceptaient, bon gré mal gré, ils acceptaient des ingérences, ils acceptaient ou ils acceptaient pas, mais dans ce cas-là ils étaient déplacés. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point ça avait pesé, du moins sur certains militants, sur le couple, si on peut dire, Thorez et Sémar. Mais là, ça n'apparaît pas du tout dans ce que tu dis, mais voilà, pardon. Bah, sur la dimension politique, puisque André vient de la poser. Non, alors, je pense qu'il a, il a tout dit. Quoi. Oui, alors, en plein dans les choses, ça m'ouvre des horizons. Je vais te dire ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a une très grande différence selon les militants. Oui. Marcel Paul ne met pas les pieds à Moscou pendant toute toute l'avant-guerre, et il ne va aller à Moscou que pour se faire soigner en 1933, quand il y aura eu le coup de force contre lui. Il a toujours dit qu'il n'avait jamais, il s'était jamais considéré comme lié à Moscou. Et d'autre part, il est lié exclusivement à Thorez. Ça, je l'ai écrit par ailleurs, je l'ai écrit en particulier dans la biographie que j'ai faite pour le Métron sur Marcel Paul. Ils avaient exactement le même âge, ils étaient dans des corporations proches, mineurs énergie, ils étaient en sympathie et ils travaillaient ensemble déjà avant-guerre sur les questions économiques. Et j'ai relu les notes que j'avais prises d'entretien avec Marcel Paul. Il me disait il aimait les choses fignolées. Thorez. Et on travaillait sur les questions des statuts en particulier. C'est aussi pour ça que je pense que Thorez aussi a été pour quelque chose dans le statut des fonctionnaires. Enfin bref, et il a dit « je n'ai jamais été dans les huiles du parti ». Il parlait des huiles du parti. Donc pour moi, il a toujours été, d'ailleurs même quand il est ministre, après, bon, mais par contre c'est très différent pour Léon Mauvais. Léon Mauvais va à Moscou, il est d'ailleurs dans Robrieux, j'ai trouvé qu'il est allé à Moscou, Mauvais est allé à Moscou dès 1928, parce que l'ISR cherchait des jeunes militants français. Il n'avait que 26 ans, Léon Mauvais, en 1928. Et à ce moment-là, il est directement lié à l'international syndical rouge. Mais en même temps, il rentre de Moscou en 1930 et il ne s'occupe plus du tout de la Fédération de l'éclairage. Il va revenir que dans les années 50 dans l'éclairage. Enfin, c'est encore une autre histoire, c'est la suite de l'histoire. Et je ne suis pas persuadé qu'il y ait tant d'influence que ça. Je ne suis pas persuadé. Enfin, bon, mais Michel, toi, tu en sais sans doute plus que non, moi. Ah non, mais, sur l'éclairage, non. Mais quand même, tu as bien dit qu'il y a un tournant en 1927.
Et ce tournant de 1927 dans l'éclairage et les services publics, on le trouve partout. Dans tous les cas qu'on a étudiés jusqu'à présent, on le voit. Et c'est une accentuation de la pression communiste sur la CGTU et ses différentes organisations. Ce qui rend à un moment impossible la coexistence dans la même organisation de ceux qui ont construit ensemble la CGTU face aux réformistes, pour le dire vite, Jouot, et qui, pour certains, restent dans une filiation syndicaliste révolutionnaire, c'est-à-dire une orientation révolutionnaire, mais indépendante des partis. Et la Ligue syndicaliste, qui est constituée pour une bonne part d'anciens communistes, ils l'ont été brièvement à un moment où au Front syndical, communisme et révolution, ça semblait être la même chose, et ils ont vu une pression partisane de plus en plus importante contre laquelle ils se sont dressés. Et donc, même dans l'éclairage et les services publics, si on t'a bien entendu, ça joue, et à tel point que ça finit par des exclusions. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'appareil politique qui dicte ses orientations à l'appareil syndical, et si ça tire, si ça frotte, eh bien, ils sont virés. Et ça, c'est essentiellement, et ça correspond aussi à la prise de pouvoir de Staline. À ce moment-là, en 27-28, ça y est, il a éliminé toutes les oppositions. Mais ça, pour moi, c'est effectivement, comme tu dis très bien, ça aboutit à des exclusions, mais la ligne politique, finalement, elle est pas si différente que ça. Au fond, il y a pas une grande différence politique, enfin, de ligne. C'est surtout une. Je sais pas. C'est. Alors oui, j'aurais une question justement à ce propos. C'est que on va prendre les services publics. Alors c'est très particulier les services publics parce qu'en effet, tu l'as dit, il y a le concessionnaire d'une part et il y a le pouvoir politique, qu'il soit local ou qu'il soit national. Et ces révolutionnaires de la CGTU, ils sont amenés quand même à discuter, à négocier avec des municipalités, avec des concessionnaires. Est-ce que, par-delà le discours général sur la crise du capitalisme, sur la nécessité de la révolution, dans leur pratique, au jour le jour, dans les discussions qu'ils ont sur le statut précis, il n'y a pas, en quelque sorte, une pratique qui est peut-être un peu différente des grands discours et des orientations générales. Oui, mais c'est ça. C'est certain que ce n'est pas la pratique de la grève. C'est la pratique de la négociation, de délégation. Mais il y a qu'en 1935, comme je l'ai dit, André Marty se retrouve seul au conseil municipal de Paris. Et donc, c'est seulement à partir de 1935 que des syndicalistes vont avoir directement une responsabilité politique. Ce que disait souvent Marcel Paul, c'était que le conseil municipal de Paris, il appelait ça la caverne d'Ali Baba. C'était une véritable chambre de corruption monstrueuse. Il disait que, par exemple, il voyait des employés de la compagnie du gaz de Paris qui arrivaient avec des enveloppes pour graisser la patte aux conseillers municipaux. Et donc, c'était un foyer de corruption terrible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après... Alors, je ne sais pas si vous, je réponds à ta question. Après, quand il s'est agi de nationaliser, les communistes, Marcel Paul, avec également les ingénieurs de Polytechnique, ont dit surtout pas
de gestion décentralisée et de gestion communale. On ne va surtout pas confier aux mairies et aux conseils, généraux la gestion des usines, de la distribution du gaz et de l'électricité, parce que c'est un tel foyer de corruption qu'on a vu au conseil municipal de Paris qu'il faut absolument maintenir un système très centralisé en dehors des obligations techniques, mais aussi pour... Alors, effectivement, c'est beaucoup de négociations, mais l'autre élément aussi, c'était de très grandes manifestations de rue. Et par exemple, le comité intersyndical, ça on le voit dans les collections d'humanité de la vie ouvrière de l'époque, organise des grandes manifestations devant la mairie de Paris, où il y a jusqu'à 20 000, 30 000 salariés de la région parisienne qui viennent faire pression sur le conseil municipal, mais sans véritablement de grève. Alors, une question complémentaire à celle-là, c'est que tu as évoqué les nationalisations, mais aussi bien le Parti communiste que la CGTU, elle est contre les nationalisations. Et donc, qu'est-ce qu'il propose s'agissant des services publics? Parce que, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une réflexion dans cette fédération unitaire des services publics sur ce qu'est un service public et ce que devrait être un service public? Ben pour moi, je connais très mal la partie service public par rapport à l'éclairage. Mais les services publics, c'est déjà une institution, c'est déjà public, comme l'ordre juridique. Donc, c'est déjà soit l'État, soit les mairies qui dirigent les hôpitaux, par exemple. Dans les hôpitaux, quand on voit les comptes rendus, c'est surtout des revendications de salaire, de blouses, d'horaire de travail, d'attitude sexiste vis-à-vis des infirmières et des femmes. Donc, c'est vraiment la pratique quotidienne du syndicalisme, comment on appelle ça, dans la double besogne de la Charte d'Amiens, les revendications quotidiennes. C'est la revendication quotidienne. Ni du côté du service public, ni du côté de l'éclairage, il y a cette idée c'est au niveau des statuts, parce que c'est sur le plan des statuts. Parce que ce que dit Marcel Paul, c'est qu'il est en train de se constituer un consortium, il appelle ça un consortium de l'électricité et du gaz, autour d'Ernest Mercier, c'est-à-dire des très gros groupes. Et ces gros groupes, il faut qu'il y ait un statut unique pour ce personnel. Mais ça ne va pas jusqu'à la nationalisation. Il n'est pas question de nationalisation. C'est 37, c'est le Front populaire, c'est la réunification. Et c'est le frottement avec les... En 36, la CGTU va découvrir le monde de l'État. Ils vont découvrir, ils vont aller dans les ministères et ils vont découvrir en particulier des socialistes qui dirigent les ministères, comme Gaspard, par exemple. Gaspard, un des premiers directeurs d'EDF, qui dirige à ce moment-là l'électricité au ministère. Et ils vont négocier et ils vont trouver des alliés. Et là, ils vont dire, mais oui, là, ils vont avoir une vision vraiment nationale. Et à ce moment-là, bon, il y a le virage des nationalisations en 1936, mais avant, c'est bizarre, effectivement. C'est très proche du terrain, finalement. C'est un syndicalisme de terrain. Et dans les municipalités, alors notamment dans les municipalités communistes, ça se passe comment, le rapport entre le syndicat et le patron municipal ? Ça, j'en sais rien. Je ne sais même pas s'il y a des... Oui, il doit y avoir des syndicats CGTU. Oui, il faudrait voir, par exemple, dans la ville dont Nilès est le maire, il faudrait voir si, comme il est à la fois syndicaliste et maire, comment ça se passe. Même chez Loriot, hein, avant 34. Oui. Tu parles de Maurice Nilès?
Oui. Non, ça, c'est. Je n'ai pas d'éléments. J'ai pas d'éléments. Il n'empêche que ça ne va pas de soi. Non. Le fait est que, quand c'est une municipalité d'une autre couleur. Oui. Évidemment, le personne. C'est pas, ça ne date pas que des années 30 ou des années 20. Mais. Quand c'est une municipalité communiste et la banlieue devient rouge à cette époque-là. En 35. Ah oui, ça a commencé déjà, ça a déjà commencé avant. Hein. Et donc, quels sont les rapports entre les syndicats unitaires d'employés municipaux et leur mairie ? Là, j'ai pas de réponse. La seule trace, pour ma part de militant, c'est qu'il y a deux villes où ça a émergé, c'est Bordeaux et pas Strasbourg, parce que quand tu arrives là, tu peux terminer, commencer par t'expliquer que là, c'était une régie. Ce n'était pas la nationalisation, c'était un régime spécial. Et donc, ça leur posait des problèmes. Militants en particulier, que je n'ai jamais bien analysé, mais voilà. Là, il y avait une trace, ce n'était pas la nationalisation comme ailleurs. C'est comme ça que se présentait pour un militant pas expérimenté. Il y a pas de questions ou peut-être nos... Et du côté oui. Non, j'ai pas de questions. Et sur le statut, donc la fédération non seulement défend le statut, mais veut le renforcer en l'unifiant. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs statuts. Il y avait le statut de la ville de Paris. Enfin, c'était plutôt de la préfecture de la Seine, le meilleur statut peut-être même au monde obtenu justement après la Commune de Paris pour éviter la récidive. Et dans un premier temps, donc les gaziers dans les années 1900 réclament le statut de la ville de Paris. Et c'est une lutte sur une dizaine d'années et qu'ils obtiennent en 1906 au moment du renouvellement de la concession. Et ensuite, en 1907, les électriciens parisiens obtiennent le statut des gaziers, donc amélioré. Mais c'est uniquement Paris. Et ensuite, pour la banlieue, c'est en 1936 seulement qu'ils vont obtenir, grâce en particulier à Roger Gaspard au ministère et la négociation va aboutir. Mais ça, c'est surtout le Front populaire qui va donner dans toutes les petites sociétés d'électricité et de gaz où il y avait de très très mauvais statuts. Là, ils vont obtenir un très bon statut et qui va être unifié finalement en 1946. Il y avait une question. Il y a André qui voudrait intervenir. Alors, André, je vais. Tu coupes ton micro, tu as dû recevoir un message, André. Voilà, c'est bon. Ouais. Oui, ben, écoutez, c'était le moment ou jamais de mettre les pieds dans la question compliquée de dénationalisation, de l'idée de nationalisation. Parce que on l'a dit rapidement, mais la CGTU comme le Parti communiste, ils sont hostiles à la nationalisation. Et pourquoi sont-ils hostiles ? Ils sont hostiles d'abord parce que c'est une idée qui a été portée par les réformistes, par Jouhaud notamment, après la Première Guerre mondiale. Mais ils sont hostiles parce que la nationalisation, c'est une solution non révolutionnaire à la transformation de la société. Et c'est même un obstacle à la transformation de la société. Il faut avoir le pouvoir d'État avant de transformer les choses d'une manière fondamentale. Il ne peut pas y avoir de transformation partielle, segmentée. Et l'hostilité à la nationalisation, elle vient de la vision de la révolution, en définitive. Qu'est-ce que ça veut dire faire la révolution, d'ailleurs ? C'est une question qui se pose aujourd'hui, toujours, avec peu de réponses à ce propos, d'ailleurs. Donc, on ne sait pas bien. Alors, il y a des choses, il y a eu des chemins, parce qu'il y a eu effectivement,
je crois que c'est René qui l'a dit, l'apprentissage de l'État qui a été fait au travers de l'expérience de Front Populaire, le fait que des forces qui étaient parfaitement, enfin, je veux dire, complètement extérieures à toute relation avec l'État, qui ne le rencontraient que dans la dimension de la répression la plupart du temps. Et ils s'aperçoivent qu'ils découvrent que l'État, il organise la société, qu'il y a des fonctions étatiques qui sont importantes pour le monde du travail, il y a des régulations qui peuvent se faire par là, et donc on chemine progressivement. Mais je ne connais pas, pour ce qui me concerne, de grands textes qui expliqueraient le tournant, quoi, le tournant de la position par rapport à la nationalisation, aux nationalisations. On voit bien... L'idée de nationalisation, elle s'insinue dans le discours d'une transformation sociale possible, même si elle est partielle, on finit par l'accepter. On ne subordonne pas des avancées sectorielles à une avancée globale. Mais c'est un peu un angle mort de notre histoire, ça. Il faudrait, et je ne sais pas s'il existe des textes, des controverses dans lesquelles cette question aurait été abordée d'une manière frontale, disons, décortiquée. Le change... Mais ça arrive souvent, ça, dans l'histoire de l'évolution des positions d'un mouvement ouvrier. On ne fait pas toujours la critique de la période précédente pour expliquer une nouvelle position. Et c'est embêtant, ça. Moi, je trouve que c'est embêtant parce que ça nous laisse orphelins d'une réflexion sur les stratégies de transformation sociale. Voilà, donc avec l'éclairage, je crois qu'on pourrait avoir un très bon sujet d'étude pour voir comment l'idée a cheminé. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas mélanger non plus les réflexions sur la nationalisation avec la question des statuts, parce que ce sont des questions qui sont différentes. Elles sont différentes, mais accrochées l'une à l'autre en même temps. Donc c'est un continuum assez complexe qui mériterait vraiment, je le pense, d'être approfondi. Autrement, on ne comprend pas quand on voit apparaître, débarquer soudainement dans le discours politique et syndical, parle du syndicalisme le plus radical, cette question des nationalisations. Et aujourd'hui, ça paraît même impensable qu'on considère que l'idée de nationalisation, alors on dit démocratique, en associant les travailleurs, etc., elle puisse faire problème. C'est pensé comme une avancée très importante qui nous permet de mettre un peu d'ordre progressiste dans le désordre capitaliste. Mais c'est une vraie interrogation qu'il faudrait creuser. Et je crois que là, on a un exemple concret qui nous permet sans doute de... nous permet ou nous permettra, on verra, mais de travailler sur cette question. J'espère n'avoir pas été trop confus. Il y avait une intervention de Vincent. Vincent, si tu veux. Oui, oui, bonjour, Vincent Debert. Donc moi, je participe aux travaux de l'IHS des services publics, de la Fédé des services publics. Il y a aussi d'ailleurs le président de l'IHS, Philippe Coinet, qui participe à cette visio. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui. Bon, voilà. Donc, moi, je voulais dire juste quelques mots par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur la relation entre les syndicats et les employeurs des mairies de la région parisienne, pas pour étaler ma science, parce que j'en ai peu de ce point de vue, mais pour préciser deux choses, c'est qu'il y a un travail qui a été réalisé par un historien, Emmanuel Bélanger, que sans doute certains d'entre vous connaissent, sur la réalité des communes de la région parisienne dans cette période-là. Et puis, il y a actuellement un travail important qui est réalisé par Dominique Durand, que d'aucuns d'entre vous connaissent aussi, et que le rapporteur de cette séance de visio connaît bien aussi, d'ailleurs, puisqu'ils ont eu des contacts entre eux, puisqu'on est en train de réaliser
un travail assez important sur l'histoire de la Fédération des services publics, qui va être construit autour de 3 tomes, dont un qui est en cours de réalisation, le tome 1, qui va porter de la création de la Fédération en 1903 jusqu'en 1975 à un travail assez copieux qu'est en train de réaliser Dominique Durand sur les recherches à mener, et notamment sur cette période. Nous, on a des choses déjà connues dans la Fédération qui touchent à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la période de réunification et sur la place qu'ont pu y tenir Marcel Paul et Lucien Jaya, qui ont été deux personnages assez cruciaux dans cette période. Mais Dominique nous disait, alors c'est peut-être lui d'ailleurs qui suit cette visio, parce que je vois qu'il y a un Dominique qui lève la main, là, il pourra en parler beaucoup mieux que moi si c'est le cas. Dominique nous disait qu'il y avait des documents très riches qu'il avait pu recueillir, des données très riches qui permettaient de faire valoir la réalité de cette période qui est complètement méconnue pour une part importante, et notamment par les militants syndicaux que nous sommes. Donc voilà tout ce que je voulais évoquer en précisant que sans aucun doute, nous aurons l'occasion d'avoir des initiatives pour faire valoir toute cette richesse le mieux possible. On verra bien si on y parvient. Voilà, merci de votre attention. Oui, Jean-Paul Richez, en prolongement de l'intervention d'André, je voudrais que tu développes un petit peu plus la notion de syndicalisme à base multiple. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'a présenté André Naritzen ou pas? Oui, bon, on a parlé de cette question dans les séances précédentes. Justement. Disons que, justement, l'idée de Marcel Paul, qui vient de son enfance, aussi, de l'enfant trouvé, c'est l'idée que la nation, le pays, doit prendre en charge non seulement les enfants, mais enfin, l'ensemble de la société, mais en particulier les enfants. Et donc, il ne faut pas laisser au patronat, il ne faut pas laisser ce secteur, notamment de l'enfance, de la santé, au patronat. Alors, je ne connais pas bien l'histoire ancienne des, par exemple, des premières colonies de vacances, mais enfin, toujours est-il que dans les années 30, justement, les bases multiples, c'est que le syndicat doit aussi préparer le déjà là, en quelque sorte, comme Friot, c'est-à-dire préparer déjà des bases de la société communiste dans la société capitaliste, de créer déjà des sortes d'îlots, plutôt que de... Il y a bien sûr la vision globale, mais il y a aussi mettre en place déjà des structures. Alors, par exemple, il disait que la question des médecins du travail, ça avait été très important pour le premier institut de la rue Blondy, de la rue de Bondy, parce que le patronat avait complètement la main sur les médecins, et donc au moindre accident du travail, la moindre maladie, les salariés n'étaient absolument pas protégés, parce que les patrons donnaient systématiquement raison aux patrons. Les médecins donnaient systématiquement raison, étaient du côté du patronat. Et à ce moment-là, il a effectivement créé des relations avec des médecins, qu'il a retrouvés d'ailleurs après dans la résistance, et puis CCOS, CCA, etc. Donc il y a le secteur médical, donc le syndicalisme doit prendre
prendre en charge. Il y a le secteur juridique aussi, c'est-à-dire dans la rue de Bondy, il y avait un secteur juridique pour que les salariés soient vraiment défendus par des experts, par des professionnels qui soient de leur côté et pas du côté du patronat. Donc c'est un ensemble de questions qui vont bien au-delà de la colonie de vacances, finalement. C'est toute une espèce de presque de début de contre-société qui est. C'est aussi un peu l'amorce de la culture populaire, hein, parce qu'on voit aussi dans les journaux de cette époque beaucoup de choses sur les troupes. Il y a eu une troupe de théâtre de la CGTU, il y a eu un ciné-club, il y a tout l'aspect culturel, il y a les bibliothèques, etc. Donc les bases multiples, c'est ça pour moi. Mais est-ce que les ordres de Moscou ont joué vraiment un grand rôle là-dedans? Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit tant si important que ça. Non, mais on peut faire une remarque. C'était une industrie moderne, l'électricité. Et c'était un foyer de réflexion. Parce que là, je me souviens, je ne sais pas quelles ont été les réflexions sur la partie industrielle. Mais on peut penser que les milieux techniques ont très vite pensé qu'il y ait des problèmes d'interconnexion, c'est-à-dire les problèmes de groupement. Mais par contre, j'ai entendu mon père, une fois qu'il était le chef comptable d'une boîte de 21 personnes, il était à la fois chef comptable, l'un des secrétaires syndicaux et l'autre secrétaire syndical, c'était le chef des ouvriers, le contremaître, c'est eux qui ont fait marcher le syndicat là-bas. Et ils avaient des discussions sur les politiques de prix. Et je me rappelle, parce que c'était un milieu rural, donc il y avait de très longues lignes avec, il me disait, une seule lampe électrique au bout de la longue ligne. Donc, ils avaient des débats sur la politique de tarifs et des choses comme ça. Ce qui me donne à penser, c'est une hypothèse que je lance, mais que c'était un milieu où on réfléchissait beaucoup sur la gestion. Et parce que si on était opposé, là je reviens à mes lectures plutôt, les directions syndicales étaient opposées à la nationalisation, mais ça ne signifie pas que tout le monde à l'intérieur était opposé. Probablement parce que ça mûrissait à l'intérieur, le besoin d'une coordination, étatique ou pas, pouvait faire débat. Et cette question se pose toujours quand on a eu le colloque sur l'institutionnalisation, c'est la même préoccupation, ne pas se laisser manger par l'État. Au début du siècle dernier, la question était autre, c'était pas être prisonnier politiquement de l'État. Mais il y a deux courants qui s'opposent. Et dans le cas d'une industrie moderne, la multiplicité de petites entreprises, ça ne pouvait pas durer. Donc, je ne sais pas là-dedans quel est le rôle de Paul, mais en tout cas, il a prouvé après la guerre qu'il avait sa propre pensée, que quand il y a eu un virage assez important dans la CGT, il a été mis de côté. Tu parles un peu sous ton contrôle. Ah non, mais je vais féliciter. Ça, c'est un autre. Alors, il y avait qui a une question de Gary, mais Michel, tu voulais peut-être compléter ce qu'a dit René d'abord. En fait. C'est-à-dire que c'est encore la question des nationalisations, des services publics, et puis aussi, même s'il ne faut pas les confondre en effet, les bases multiples. Je crois que dans le cas de l'électricité, en effet, on est dans un secteur moderne et en plus de ça, un secteur qui est en voie de concentration extrêmement rapide et par conséquent, enfin, forcément, cette fédération unitaire qui a en face d'elle une fédération CGT qui, elle, sur les nationalisations, c'est son programme depuis 1918. Hein. Je m'étonne qu'elle ne s'interroge pas et qu'elle en reste qu'à un refus circulé, il n'y a rien à voir. Parce que même si, comme le dit André, il y a la question du pouvoir d'État, il n'empêche, l'idée de nationalisation, elle est quand même très séduisante. Surtout qu'elle se confond. Attends, excuse-moi. Elle se confond pas avec. Si elle ne se confond pas avec étatisation, et c'est là que le syndicat peut avoir une proposition significative et originale. Alors, est-ce que la CGTU est en droit d'avoir une position originale
sur ce terrain, j'en doute. Voilà. Alors, sur les bases multiples, juste une chose. Alors, les bases multiples, ça aussi, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr qu'en effet, ça soit... Ça dépend de Moscou, parce qu'en fait, c'est une question vieille comme le syndicalisme. C'est-à-dire, c'est de savoir si le syndicat, il est là uniquement pour la bagarre, ou si, ne serait-ce que pour stabiliser ses adhérents et continuer à jouer un rôle, il ne doit pas rendre un certain nombre de services. Alors, ça peut être la culture, mais c'est aussi très fortement posé du côté de la mutualité. Oui, et des coopératives. Et des coopératives. Oui. Mais les coopératives, c'est compliqué parce que ça, c'est déjà une entreprise commerciale d'une certaine façon. C'est la mutualité, en revanche, normalement, le syndicalisme, il y a sa place. Sauf qu'il arrive un peu tard. Et que c'est beaucoup pris par un système mutualiste qui a de l'expérience, des moyens et tout, et le syndicat va avoir du mal. Mais quand même, dans les années 30, enfin 28-30, on a les assurances sociales, et ça, même si la CGTU est condamne, il n'empêche qu'il y a des syndicats unitaires qui créent des dispensaires, qui créent des services médicaux, là où notamment ils sont forts. Alors, ils ne s'en vendent pas forcément, et quand en 27 il y a le feu vert de Moscou, évidemment, là, ils en parlent. Mais c'était parfois déjà en route avant. Bon, je m'arrête d'être trop bavard. Ce que me disait aussi Marcel Paul, c'est que dans les congrès CGT avant-guerre, donc CGT Jouot, la nationalisation revenait, mais comme une espèce de ritournelle, mais qui n'avait aucune prise sur rien, mais qu'ils avaient mis comme ça, qu'ils mettaient dans leur programme, mais qui ne correspondait à rien. Et par contre, et ce qui a pour moi, ce qui a vraiment fait évoluer la situation, on n'en a pas encore parlé, j'en ai pas parlé, c'est une chose très importante, c'est qu'entre les deux guerres, la France prend un énorme retard du point de vue de l'équipement électrique. Du point de vue de l'équipement d'électricité par rapport aux autres pays. Le barrage de le Génicia, par exemple, qui était en projet en 1908, n'est toujours pas fini entre les deux guerres et il sera inauguré qu'en 1948. L'aménagement du Rhône par l'intermédiaire de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, avec Hériot, n'équipe absolument pas le Rhône. Donc, la CGTU se fait de la réflexion que les groupes privés ne peuvent plus ne sont plus à même de répondre aux besoins de la France, aux besoins économiques et aux besoins sociaux. Parce que le patronat de l'électricité est beaucoup plus lié avec le patronat charbonnier. D'ailleurs, Ernest Pessier est aussi un des patrons des houillères, du comité des houillères, et au pétrole, et ne veut pas investir dans les barrages. Et donc, il se fait parmi les militants de la CGTU à ce moment-là une réflexion que ce n'est plus le privé, que c'est la puissance publique qui doit prendre le relais. Mais plus au niveau municipal, puisque c'est maintenant l'électricité, c'est au niveau national, mais au niveau national. Donc, ça n'arrive pas encore à l'idée de nationalisation, mais... Au fond, ça, on s'en approche. Et le premier projet, ça va être le projet de Lebrun, en 1938, de nationalisation de l'électricité du nord de la ligne Maginot pour l'armée française. Mais une micro-nationalisation que Marcel Paul va dénoncer. Enfin, c'est une question... Mais c'est très, très important, la question du retard pris par la France, parce que c'est une réflexion des communistes autour de la libération, autour du Front populaire. Peut-être. Oui. Il y a Guy Harvey hein, qui attend patiemment depuis. Guy, il ne faudrait pas pénaliser ceux qui sont en ligne. Ah, oui, donc, Guy, à toi l'honneur. Est-ce qu'on m'entend là? Très bien. Bien.
Je vais y aller avec beaucoup de prudence parce que c'est plus des hypothèses qui vont demander éventuellement à étudier confirmation. À partir de ce que je suis en train de travailler là sur les cadres qu'on va retrouver dans la résistance et y compris les martyrs de la résistance, on s'aperçoit quand même qu'il y a une notion forte, en particulier parmi les gens qui viennent de la Fédération de l'éclairage, sur l'immigration de la misère en région parisienne, qui va modifier les rapports de force à l'intérieur de la CGT, donner des forces considérables à la CGTU. L'exemple caractéristique, c'est Corentin Cariou. Mais avec les services publics, on y retrouve aussi quelqu'un comme Corentin Selton. Et quand on prend les patronymes des militants de la CGTU, pas seulement que de Bretagne, on s'aperçoit que cette réalité économique des migrations intérieures de la France qui vont faire une espèce de pompe aspirante vers la région parisienne et modifier pour part les rapports de force à l'intérieur de ce qui était quand même un lieu important, vont peser sur les rapports de force dans la CGT, voire faire modifier les rapports de force pour rendre la CGTU majoritaire dans plein d'endroits. Et moi, je l'ai retrouvé, c'est anecdotique, sur une immigration identique de même provenance géographique venant des professions issues de la marine marchande et de la marine nationale à l'intérieur des chauvagistes, des grands magasins et des théâtres parisiens qui vont faire que la CGT soit la CGTU dominante en gros entre 1924 jusqu'à la guerre. Et c'est intéressant à regarder cette affaire parce que ça, il me semble qu'on a intérêt à regarder comment s'est fait l'évolution des rapports de force entre les deux courants de la CGT, partout où il y a eu cet affrontement. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans des congrès, des fédérations, changent d'orientation parce que les bases de recrutement de masse ont changé les choses. C'est la même chose au niveau de la construction avec un gars comme René Le Gall, qui deviendra le secrétaire général de la Fédération du bâtiment. Il sort des paveurs parce qu'il fait partie de cette immigration de la misère, arrivant lui aussi encore de Bretagne. On retrouve ces questions-là un peu partout. Et alors, sur l'idée de nationalisation, parce que la dernière intervention, je n'allais pas y venir, mais m'interroge par rapport à la façon dont les choses sont posées, il se trouve que j'ai encore l'occasion de travailler sur les archives, pas encore bien dépouillé de Pierre Sémard au musée de la Résistance, et il y a tous les travaux de Sémard quand il revient à la direction de la Fédération CGT après avoir quitté sa responsabilité dans le Parti communiste après la crise en gros qui va lui faire abandonner sa responsabilité d'alors. Il y a tous les travaux de Pierre Sémard qui vont basculer complètement la conception de la nationalisation, poser débat dans la CGT et faire qu'elle soit reposée, y compris dans les termes de ce qui a été dit, sur le contenu social, le contenu des droits des salariés et le contenu de la réponse aux besoins. Et on retrouve encore cette base sociale issue de la misère et de l'immigration intérieure, construisant la CGTU, puis la CGT devenant majoritaire, dans le rapport de force. Alors, je dis bien que je le donne comme hypothèse d'étude. Je n'ai pas les compétences ni la surface d'un historien de par ma formation. Je suis surpris de rencontrer systématiquement ces types de questions qui apparaissent. On le retrouve y compris dans la fameuse réunion quand le secrétaire général des égoutiers de la ville de Paris est fusillé, quand il y a la réunion clandestine où ils réunissent tout le monde à l'intérieur de façon clandestine à Paris, où je crois que c'est le fils de celui qui a été exécuté, qui appelle ses camarades à lutter à la fois pour leurs revendications,
la place du mouvement syndical et une conception de service public, y compris à construire. On retrouve ça, c'est des choses que je trouve. J'irai pas plus loin parce que, comme je le dis, hein, je ne suis pas sûr d'avoir la compétence pour aller dans le dépouillement complet de ce type de document, mais c'est la surprise que j'ai eue en les rencontrant. Merci. Voilà. Il y a une question qui est intéressante aussi, c'est la place des femmes dans le mouvement syndical et donc l'apparition vraiment des femmes dans le syndicalisme des services publics, en région parisienne en particulier, et ce serait vraiment une question à étudier de près, parce que les infirmières, les femmes de service, elles apparaissent vraiment massivement, surtout à partir de 33-34, mais même avant. Et donc ce serait intéressant parce que bon, pour l'éclairage, malheureusement, c'est une profession, ce sont des professions très très masculines. Il y a quand même eu Suzanne Gérin, dont je n'ai pas parlé parce qu'elle était dans le syndicat CGT, mais à tendance CGTU des employés d'électricité de la région parisienne, qui a été une des grandes résistantes dans la région parisienne. Qui jetait des cocktails Molotov dans les commissariats pendant la guerre, enfin, donc qui a été une terroriste et que j'avais pu interviewer aussi, qui est dans le métro. Et donc, ça fait partie de ces femmes héroïques, hein, comme Maria Boissonnade aussi, déportée à Ravensbrück. Bon, ce serait un volet à étudier pour les prochains historiens, les jeunes historiens et historiennes. Il n'y a personne qui j'ai encore moi, quelque chose à dire. M'excuse. Tu as dit tout à l'heure, Michel, que la question de la nationalisation, officiellement, n'était pas prise. En gros, qu'on n'en parlait pas. Même contre. Pardon ? Contre. Non, on était même contre. Ça ne signifie pas, et ayant été militant moi, avant 68, ça ne signifie pas que parce qu'on était officiellement contre, on était dans sa tête contre. Je sais assez qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On était vite taxé de réformisme, dans le meilleur des cas, et ça s'est passé même après-guerre, dans les débats au sein du bureau politique, et je crois que Marcel Paul et Lebrun ont eu leur part à ce sujet. Donc, on peut faire l'hypothèse, mais là, je soulève, c'est une question que je me pose, une genre de grille d'analyse, que Paul avait quelques raisons, parce que, vous oubliez le troisième, qui était un ingénieur, vous savez ce qu'il en est. Le Guen. Le Guen n'est pas encore dans le coup. Delers. Delers. Un nom anglais, celui qui a un nom anglais, là. John Ottaway. Ottaway. Ah. Ottaway. Le premier président. Ce gars-là savait ce qu'il en était dans le milieu ingénieur avant-guerre, probablement. Et donc, vous voyez bien que même si on n'était pas pour, il y avait un courant pour le rassemblement, etc. Or, quand il s'est lancé dans la nationalisation, je suis obligé de te citer, et François, tu as assez souvent insisté sur le fait que Paul ne voyait pas le problème, ne séparait pas statut, nationalisation, et puis, et l'organisation des cadres. Il disait, pour que la nationalisation réussisse, il faut qu'on ait le cadre avec nous. Et on a le bénéfice aujourd'hui encore, puisque les cadres largement s'opposent encore au projet Hercule, etc. Bon. Donc, il n'est pas impossible que dans ses projets, dans ce qui mûrissait probablement dans son esprit, il y ait eu l'idée de lancer les trois choses à faire. Il était prêt. Et le problème n'est pas seulement technique, il était politique. Comment gagner une bataille? Voilà, forcément. C'est comme ça que je me représente la possibilité des choses. Il faudrait relire ce qui a été écrit à ce moment-là. Moi, je le ferai, mais c'est après-guerre, dans Travail et Technique. Mais cette question-là, de mémoire, n'est pas abordée. Mais ce qu'il disait, il parlait de crocheter ensemble. Il faut crocheter ensemble les questions économiques et les questions sociales. Oui, il faut crocheter et ensemble. Statutaire, en plus. Pardon ? Et statutaire, en plus. Et statutaire. Le statut du personnel. Statutaire, c'est le social. Oui. C'est-à-dire qu'il faut à la fois un développement économique
de l'électricité et du gaz, hein, parce que les deux. Donc, il faut absolument sortir de la stagnation de l'électricité que les sociétés privées maintiennent, et en même temps avoir un statut social avancé. Et, mais la progression économique, la progression du développement de l'électricité ne pourra se faire dans de bonnes conditions que s'il y a un statut social avancé. Après, ça a été la clé de la réussite d'EDF, ça a été ça. Et de Gaz de France, ça a été l'excellent statut pour les salariés et pour les ingénieurs, enfin pour les, a permis le développement dans de bonnes conditions de l'électricité, du secteur énergétique, qui était quand même un des moteurs des Trente Glorieuses, sinon le moteur des Trente Glorieuses. Dans le développement économique aussi, c'est une petite parenthèse, ce que j'ai découvert récemment, c'est que dans l'automobile, par exemple, le salon de l'auto a été créé à l'époque de Marcel Paul était ministre, avec les patrons de l'automobile de l'époque, et Marcel Paul a donné son feu vert pour le salon de l'auto. Il y a une photo célèbre où on le voit avec son costume, avec le pantalon rayé. Il inaugure le salon de l'auto, la nationalisation de Renault, le grand développement de l'automobile après-guerre. C'est aussi la libération. Quoi. C'est aussi une des choses de la libération. Tout le monde n'a pas parlé. Malgré de multiples invitations. notre archiviste. Non, mais il y a un problème, tu l'as soulevé, c'est qu'il y a quand même un problème d'archives pour la période TGTU. Et donc, alors il faudrait voir du côté des archives nationales quand même, parce que la police, elle, veillait. Oui, il y a quand même, on l'a pas vu, mais j'ai quand même retrouvé, on n'en a pas parlé, la fraction des services publics, la fraction communiste dans les services publics, donc parce que c'était une directive de l'international de créer des fractions, donc des groupes communistes dans les syndicats. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec Marcel Paul, il me disait qu'il avait toujours été contre. Il a dit, de toute façon, moi j'ai toujours été pour une politique ouverte. Enfin, il n'avait pas dû le dire. Pardon. Il n'avait pas dû le dire, qu'il était contre. Non, mais il ne l'a pas dit, mais la CGT, on a été contre les fractions. Mais il n'est pas. CGTU, là, on parle de la CGTU. Oui, mais par contre. On voit tellement la continuité, parce que quand on n'était plus peut-être à CGTU au lendemain de la guerre, mais ça ressemblait un petit peu. Oui, non, mais enfin, en tout cas, dans les archives, il y a j'ai d'ailleurs, bon, on l'a pas montré, mais il y a la liste de tous les des militants, des responsables de la fraction dans les services publics. Oui. Mais Marcel Paul n'y est pas. Mais il y a Léon Mauvais. Et donc ça prouve bien qu'il était contre. Donc il disait que c'était pas utile. Que c'était pas utile, qu'il était pour une politique au grand jour. Et bon, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Bon, on va arriver au bout là. Bien, donc on vous remercie. Alors d'abord, on remercie René pour le travail qu'il nous a présenté. Et puis, on remercie tous ceux qui se sont connectés ou qui se sont déplacés. Alors, la prochaine séance aura lieu comme prévu le 11 avril. Ça ne sera pas Jean-Louis Robert qui est défaillant, mais il sera question des cheminots. Et donc, c'est l'IHS Cheminot qui nous présentera un travail sur ce qui était un des bastions de la CGTU, cette corporation. Voilà, et bien, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci.